Mélanie Etier avait 15 ans lorsqu'elle a disparu une nuit de septembre 1996. Elle devait passer sur ce pont pour rentrer chez elle à New Liskeard, mais n'est finalement jamais rentrée. Malgré les efforts de la famille et de la police provinciale de l'Ontario, le mystère de sa disparition demeure entier. Toutefois, la PPO est de retour sur le terrain cette semaine. Après avoir obtenu de nouvelles informations, elle a lancé une opération de recherche à North Cobalt, à une dizaine de kilomètres du lieu de la disparition de Mélanie Etier. Une dizaine de policiers sondaient un espace de bois isolé mercredi à l'aide de bâtons. Le corps policier compte aussi sur l'aide de drones et de chiens dans ses recherches. Mais il a aussi eu un coup de pouce de CBC. La police remarque un regain d'intérêt pour l'affaire depuis la diffusion du balado « The Next Call » ou « Le prochain appel » cet été. Cette émission aurait convaincu un auditeur de partager de nouvelles informations avec la PPO. We were not aware of this particular witness. The witness heard the podcast and we spoke to him and we are here today searching the area of La Rock Field. La police provinciale de l'Ontario espère que cela inspirera d'autres habitants de la région à lui communiquer de nouvelles informations. Entre-temps, à New Liskeard comme à Cobalt, les résidents s'entendent. Ils espèrent que ces recherches portent ses fruits afin que la communauté puisse guérir les blessures de la disparition de Mélanie Etier. Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Témiscamingue Shores.